Il se réveilla à l'aube dans un champ verdoyant. Il resta plusieurs heures allongé sur le sol humide à observer le lent mouvement des nuages. Il était sonné, incapable de réfléchir et d'agir. Le soleil pointait le bout de son nez derrière une colline. Lorsque ses membres commençaient à s'engourdir, il se tourna et s'appuya péniblement sur son bras gauche pour tenter de se redresser. Face à lui, il y avait au loin un vaste bois qui s'étendait vers sa gauche. Derrière lui, une route où plusieurs voitures étaient déjà passées dans les deux sens. À quelques mètres à sa droite, une grange en pierre blanche. L'étage donnait directement sur la route. Le rez-de-chaussée était donc en contrebas et semi-enterré côté route. Un carrefour à l'angle de la grange permettait d'accéder sur une voie qui remontait en direction du bois. Une sensation de familiarité dans cet environnement l'envahit. Alors il se leva et marcha jusqu'à la grange pour y entrer. Un panneau délabré accroché à la porte d'entrée indiquait qu'elle était à vendre. La porte était entrouverte et il entrait. Il faisait frais à l'intérieur. Il y régnait une odeur de foin et d'humidité émanant de la terre battue du sol. La grange était vide, hormis le reste de paille dans la mangeoire. Il n'y avait pas d'accès direct à l'étage. Alors il sortit et remonta sur la route afin d'y accéder. Au carrefour, un panneau indiquait la direction d'Eganiazès. Il connaissait ce village qui était situé à une demi-heure de route de la maison de sa famille. Les larges portes en bois de l'étage de la grange destinées à l'accès des machines agricoles étaient ouvertes. À l'intérieur, il y avait plusieurs bottes de paille entreposées. Une petite chaise pour enfants en bois se trouvait contre un mur. Il s'asseya quelques instants pour remettre ses esprits en ordre. La chaise branlait sous son léger poids. Il se demandait comment et pourquoi la Voie lactée l'avait ramené dans sa région natale et pourquoi à cet endroit précis. Il s'était dit que ce n'était pas un hasard, que sa vie devait être ici, là où il est né et où il avait quelque peu grandi. Il y avait de plus en plus de circulation sur la route. Il leva son pouce droit et une voiture s'arrêta pour le conduire chez ses parents. Quelques semaines plus tard, il avait investi la grange. Il l'avait restaurée en habitation à la sueur de son front et avec l'aide et la fierté de son père. Il avait récupéré les vieux meubles en bois confectionnés et sculptés des années auparavant par son grand-père et sa mère lui avait donné la vaisselle et le linge de sa grand-mère. Il était retourné dans son ancien studio pour récupérer ses livres. Il commençait à retourner une partie de la terre de son terrain pour y cultiver des légumes. Il se sentait revivre. Mais dès que les travaux furent achevés, il commençait à réentendre les cris et les pleurs. Les cloisons et le plafond restaurés l'oppressaient. Une nuit blanche de trop, il se précipita à l'extérieur de la maison pour empoigner sa masse. Il voulait tout abattre, mais tout à coup il entendit avec une clarté absolue les cris qui venaient du bois. Il s'interrompit net dans sa furieuse lancée et laissa tomber sa masse. Il marchait à la lueur blanche de la lune pleine vers le bois. Plus il avançait, plus les cris se dissipaient. Lorsqu'il pénétra dans le bois, il vit des troncs coupés à terre, la sève coulait de leurs veines et les tronçonneuses encore brûlantes et souillées de sciures posées sur le sol. Les arbres étaient aux abois et il comprenait enfin que c'était le bois qui lui demandait de l'aide. Il s'allongea, fixa de ses yeux assombris la lune qui les éclairait. Il savait qu'elle lui viendrait en aide et il s'assoupit. Le lendemain, les bûcherons tentèrent de démarrer leurs tronçonneuses, mais plus rien ne fonctionnait. Un souffle de paix effleura les feuillages des arbres rescapés et la chevelure du jeune homme. Il promit alors à chaque arbre du bois sauvé de rester parmi eux jusqu'à la fin de sa vie afin de les protéger. Il avait vieilli mais n'avait toujours pas grandi. Il se nourrissait de baies sauvages et buvait ses eaux de pluie que le temps lui offrait. Été comme hiver, il n'avait jamais quitté le bois. Il avait passé le reste de sa vie à semer les graines de la joie et avait fait repousser des centaines d'arbres. Les gens aux alentours le surnommaient la vieille branche.
À son 100e anniversaire, les cellules de sa peau brunie par le soleil s'allongeaient et durcissaient. Ses bras et ses doigts se ramifiaient. Ses cheveux raides et noirs devenaient feuillus et touffus. Ses pieds et ses orteils s'enfonçaient dans la terre pour s'enraciner. À force de rester planté là, il était devenu l'arbre le plus fort, le plus robuste et le plus majestueux du bois. Il avait enfin grandi, et sur une minuscule partie de son écorce étaient gravés les mots suivants : « Je suis le garçon libre au fond des bois ».